Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc deuxième partie de la préparation de la charpente à l'atelier, donc qui va être consacrée aux chevrons. Donc ce sont des chevrons en chêne. Donc voilà, les chevrons sont terminés, donc le résultat fini. Enfin, j'en ai la moitié ici, j'ai l'autre moitié là que je dois encore terminer de brosser puisque tout n'est pas brossé. Vous allez voir en fin de vidéo que j'ai repeaufiné encore la finition de ces chevrons qui seront apparents, je vous le rappelle, pour toute la couverture du gîte. Donc j'ai utilisé des chevrons en chêne pour ce faire. Donc c'est des chevrons de 11 par 7. Pour faire tout ce qui est calcul d'épaisseur de chevrons, épaisseur de bois en général, on a ce qu'on appelle les abacs. Donc les abacs, ce sont des tableaux qui reporte toutes les charges admissibles sur des éléments de charpente, donc qu'ils soient chevrons, qu'ils soient pannes, vous avez toutes sortes de tableaux en fait. Ça varie en fonction de l'essence de bois, ça va varier sur la portée du bois, il y a tous des calculs à faire en fait, hein, c'est pas pris au hasard. Donc d'ailleurs je remercie à ce propos la chaîne La Charpenterie sur YouTube, donc c'est Michael qui m'a été vraiment d'une très grande aide, parce que grâce à lui j'ai pu m'assurer que les choix que j'avais anticipés étaient les bons. Donc il m'a confirmé que tout ce que j'avais décidé plus ou moins de faire, voire même d'augmenter légèrement la section. Voilà. Donc Michael, je te remercie infiniment parce que vraiment ton aide m'a été très précieuse. Donc le lien de sa chaîne, il est ici, là. Donc ça s'appelle La Charpenterie. Allez voir parce que c'est vraiment un vrai professionnel de la charpente qui fait un travail vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Voilà. Petit aparté terminé. Donc chevron en chêne de 7 par 11. Et en fait, l'assemblage, initialement, je voulais faire comme tous les assemblages de charpente que j'ai pu voir, moi, par le passé, à savoir poser sur panne faîtière et clouer sur panne faîtière. Et par hasard, en fait, j'ai vu chez mon voisin qui était en train de refaire faire sa toiture un assemblage en faîtage de chevrons et je me suis dit, ça ne peut être que ça qu'il faut que je fasse parce que c'est un boulot supplémentaire. Mais alors, même si ça ne se voit pas à l'esthétique, moi, je saurais que c'est fait comme ça et je sais que mes chevrons ne vont pas bouger, ne vont pas se séparer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par assemblage de charpente? Donc là, j'ai pris deux morceaux de chute de bois que j'avais initialement. Donc, c'est du 6-8. Hein, je reporterai les côtes, évidemment, sur la bonne section de bois à côté. Donc, on voit ici donc ma pente de toit qui est matérialisée. Donc, pour savoir eh bien, l'angle de coupe de ma toiture pour les chevrons, pour la mise en place des chevrons, pour les préparer à l'atelier avant. Donc, j'ai utilisé mon équerre qui est avec ma scie radiale. Et en fait, je suis monté sur une échelle et je suis venu la disposer sous les chevrons. Voilà. Donc ça me donne une inclinaison. Et en fait, je suis venu faire un gabarit et je les ai coupés à mi-bois dans le sens de la pente pour les assembler au faîtage. Donc il faut imaginer la panne faîtière ici. Et j'ai trouvé sur internet, je ne voulais pas les faire parce qu'il faut, quand même pas exagérer, hein, j'aime bien faire les choses, mais à un moment donné, j'ai pas que ça à faire non plus, ça prend déjà beaucoup de temps. Des chevilles en chêne, donc il y a plusieurs sections admissibles et disponibles, donc celle-là, c'est ce que j'ai estimé le plus adéquat esthétiquement en rationalité avec la taille de mes chevrons. Je vais venir percer au faîtage et cheviller tous mes chevrons. Comme ça, l'avantage, c'est que je n'aurai pas de risque de glissement en fait. Donc si j'avais une coupe ici de biseau et que j'avais un clou ici, avec le poids des années, le chevron, c'est ce qui s'est passé sur le gîte, a eu tendance à s'écarter. Donc j'ai un jour entre mes deux chevrons. Donc on peut voir le jour ici, hein, c'est flagrant. On a un bon centimètre d'ouverture entre mes deux chevrons. Et le problème qui se pose, c'est qu'en fait, quand un chevron il glisse, comme il est cloué sur la sablière, ben il a tendance à faire partir la sablière, à la faire glisser puisqu'elle n'est pas fixée, elle est posée sur un lit de sable, hein, d'où son nom sablière. Et en fait, on se retrouve avec une déformation sur le mur. On peut voir ici en fait que les pierres ont eu tendance à s'ouvrir un petit peu, d'autant avec le poids des années, quoi. Et donc, ce que j'imagine, c'est que le fait d'être chevillé au faîtage, ben en fait mes chevrons ne pourront pas se séparer, elles ne tireront pas sur la sablière et vont de fait protéger aussi la maçonnerie. Pure spéculation, je pense qu'on est pas mal quand même. Et donc comment on fait pour pouvoir tracer justement les angles? Et ben justement l'intérêt de la petite coulisse ici sur cet équerre fait que en fait j'ai eu simplement à
à positionner mon équerre sur mon chevron et à venir prolonger le trait de coupe. Et ça va me donner ici l'angle de découpe pour le mi-bois de mes chevrons. Voilà. Donc, je suis venu prendre une chute. Alors, c'est du lambris qui traînait à la maison. Donc, que j'ai coupé à la côte, c'est-à-dire 11 cm, la taille de mes chevrons. Je suis venu positionner mon équerre comme ça. Et ce qui m'a donné mon angle. Et je pourrais reporter simplement par calpinage mon gabarit et pouvoir tracer mes chevrons tout simplement avant de réaliser la coupe. Donc du coup j'utilise mon gabarit que je viens poser sur mon chevron. Alors tous mes chevrons ne sont pas pile poil à 11 cm, hein. Des fois il y en a 10,5, 18, 11,2, 11,5. Là on peut voir que celui-là il y a un petit peu de jeu avec le gabarit. Le but c'est d'arriver à vraiment faire quelque chose de rationnel, d'avoir un angle de coupe. Voilà, donc ce que je fais en fait, c'est que je viens au plus près ici, je positionne bien aligné mon gabarit, je viens tout simplement tracer. Voilà. Ensuite, je vais tracer. Donc je viens sur l'endroit où j'ai mon trait de crayon ici, je place mon équerre à cet endroit-là. Donc là, par contre, elle plaque bien ici. Voilà. Ce qui me donne suffisamment de traçage pour faire ma coupe. Et là, pareil de ce côté-là. Donc je viens marquer ici où se trouve mon trait. Voilà, comme ça j'ai à la coupe. J'ai deux repères pour pouvoir guider ma scie. Donc on a donc la chute qui est ici. Ce que je vais faire maintenant, donc on est sur un assemblage à mi-bois. Donc le but, ça va être de délimiter la partie de l'autre partie de bois qui va venir ici sur l'épaisseur. Donc je vous ai dit que j'avais mon gabarit qui faisait la largeur de mon chevron, donc à savoir 11 cm. Donc je viens la poser sur le trait de coupe. Donc en gardant l'angle. Et je viens tracer ici. Voilà, et là, j'ai la deuxième partie que j'aurai à couper. Ensuite, je vais reporter également, donc comme j'ai fait tout à l'heure, ici. Voilà. Là, je vais en profiter pour marquer la chute tout de suite, hein, ce qui va tomber, pour pas me tromper. Voilà, et ça, c'est de la chute qui tombe complètement, celle-là. Ici, et ici, on est sur cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour chaque chevron, faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mesurer l'épaisseur du chevron. Celui-là, il est à 70 mm, mais d'autres sont à 68, 60. Ça oscille entre 66 et 70, même certains 71. Donc comme ça, ça me permet de tracer l'axe du chevron. Et celui-là, on est à 71 en bord ici, là. Donc on n'est pas au millimètre près non plus, hein. C'est de la charpente. Voilà, je trace ici, je marque la chute toujours. Pareil de l'autre côté. Voilà, et je me trompe pas de côté, je marque bien ici. Voilà, la chute. Ce que je vais faire tomber cette partie-là, ici, là. Je vais la couper complètement et ensuite, je vais reporter mon trait de coupe ici sur le côté-là avant de faire tomber cette partie-là. Alors, la scie que j'utilise, là, c'est une... J'en ai commandé une spéciale débit pour le bois. Mais ça, c'est une scie pour les plaques de plâtre et le ciporex, ces choses comme ça. Enfin, c'est donné pour ça par le vendeur, quoi. Voilà. Donc du coup, elle va très bien pour faire ce que j'ai à faire, donc ça va aller quand même. Donc il faut que je sois bien. Donc je mets mon doigt en appui
qui va venir guider ma lame pour l'empêcher de faire comme ça. Donc lui, comme quand on, avec un couteau de cuisine, on vient guider le couteau avec le doigt. Et je souffle régulièrement pour évacuer la poussière qu'il y a sur le trait qui m'empêche de voir si je suis bien le guidé. Ouais, je suis bien là, je suis bien parti. Voilà, ça me fait une coupe bien plus nette que si j'utilisais la scie sauteuse. Et on voit que je suis bien sur le trait. Je suis franchement pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir couper ici jusqu'à ma demi-partie. Donc des deux côtés, je vais venir bien comme il faut pour venir pile poil sur mon trait ici, en coupant toujours bien droit. En essayant de faire le plus propre possible, le plus net possible, le plus sur le trait possible. Donc pareil, mon doigt en appui, c'est lui qui vient guider. J'ai dit que je reportais ici mon trait de coupe, ici là. Toujours pouvoir me guider. Voilà. Et je marque toujours, hein. J'aime bien marquer mon affaire. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à couper en suivant mon trait vertical et en suivant ce trait horizontal là, jusqu'à venir au pied le plus loin possible où je peux aller ici sans retourner et venir jusqu'ici en biaisant pour marquer le trait sur toute la longueur, le trait de coupe. Je vais couper la scie légèrement à l'intérieur du trait là, pas sur le trait parce que je vais venir bouffer la partie là. Donc comme je suis bien à l'axe, je vais venir à peine à l'intérieur, vaut mieux que j'en enlève moins que trop, ce qui me permettra de mettre un petit coup de râpe pour ajuster éventuellement après. Donc là pareil, et ça me permet toujours de visualiser mon trait de coupe. J'ai commencé de le faire à la scie sauteuse avec des grandes lames que j'avais là, mais qui étaient déjà un petit peu usées. En fait, ça part en biais, c'est pas net. La coupe, la scie a tendance à partir en bois de fil là, donc du coup, je préfère à la scie à main. Puis du coup, ça renoue un petit peu avec le travail manuel, ce qui n'est pas désagréable non plus. La scie a tendance à partir ici, c'est pour ça que je prends toujours. Vu la force que j'exerce dans ma scie, elle a tendance à partir ici, donc ça vient abîmer ma chute, donc je m'en fiche. Ce qui compte, c'est vraiment que j'ai cette partie-là qui soit intacte. Une fois que j'ai marqué donc mon trait de scie tout le long, ici je sais que je vais commencer à être guidé, donc la scie elle va plus partir là. Donc là, ce que je fais pour éviter que ma scie égoïne fasse blablabla comme ça, je viens poser ma main dessus là et ça la stabilise. Voilà, je vais retourner mon bout de bois et là je vais reprendre pareil le long là, toujours ici. Ben côté chute du trait, donc on voit là, il y a un bon millimètre de jour, tout en restant bien
te montre le coup. Donc on peut voir que je suis nickel. Et là, je vais y aller tout doucement pour faire tomber la chute sans trop abîmer. On va mettre un petit coup ici. Ah, ma lampe s'est éteinte. Là, je commence à arriver là, donc on va retourner. Je pense que c'est là qu'il va manquer un peu, oui. Voilà. Donc, j'ai une coupe qui est nickel. J'ai un petit peu de désaffleur ici que je vais venir éliminer au ciseau à bois. Et donc, il y a une petite reprise, mais pour dire que c'est à la scie à main, c'est plutôt propre. Et je vais reprendre avec ma râpe ici pour éliminer l'excédent qui reste. Mais l'avantage, c'est que je peux toujours retoucher. Alors, j'utilise ça comme râpe. C'est une rampe, ils m'ont rien filé, hein, j'ai acheté, hein, c'est Shinto, c'est une rampe, c'est des scies en fait, c'est des lames de scie. C'est Franck de la chaîne Créolinium qui a présenté un jour cette scie sur sa chaîne. Et franchement, c'est super génial. Il y a des grosses dents et des dents plus fines. Et en fait, ça se retourne, il suffit de dévisser le bobéchon là, on le clip et on retourne la lame de scie. Voilà. Sachant que moi je l'utilise même en lame fine comme ça, il y a assez de course en fait pour pouvoir râper finement pour le coup. Donc là je vais reprendre, j'ai mon trait. Voilà. Là, normalement, on est nickel. Donc ensuite, je vais utiliser donc une fraise à chanfrein pour faire un petit chanfrein sur le chevron, sur la partie basse, donc la partie qui ne sera pas au contact de la volige.
Tiens, voilà, regardez. J'en profite pour vous montrer ça. J'avais plus aucune aspiration en fait. Et je commençais à bouffer de la poussière et je comprenais pas pourquoi. J'ai tapé 70 machins, il n'y a pas un brin de poussière. Et là, ça commençait à plus aspirer du tout. L'aspirateur forçait et tout. Et en fait, voilà. J'ai démonté le petit cache qui va devant là. Très simple, là, il y a 5 vis, 4 vis. Et en fait, ben, il y a toute la merde qui est venue se mettre là. Toute cette espèce de poussière de chêne, mais avec des petits bouts d'étel, hein, de copeaux. Et donc du coup, c'est venu boucher le trou d'aspiration. Donc, je vais pouvoir souffler ça comme il faut, et puis remonter, et ça devrait bien se passer. Bon voilà, si vous êtes en... Hein? Je suis en train de parler tout seul, tu sais bien, avec ma caméra. Tu sais, je fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Et je parle, des fois je parle tout seul. Bah ouais, tu l'as jamais, t'as jamais regardé? C'est peut-être parce que c'est nul. Je peux pas lutter moi, vous savez, c'est dur. Des fois, de vivre... Tout simplement, d'essayer de faire du mieux possible, et en fait, il n'y a pas de reconnaissance. Tu vois, et c'est pas quoi. Elle croit que je vais aux toilettes, et je reste longtemps, alors que je suis en train de monter des vidéos. Bon, allez, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des acharnés quand même. Parce que là, je sais pas combien va durer la vidéo, mais à mon avis, assez longtemps, et avec une redite à la fin. Donc, ouais, c'est que vous êtes vraiment des acharnés. Ça, c'est bien. Ça me plaît. J'aime bien les gens qui ont la niaque et qui aiment voir ma tête en vidéo. Hein? Pas comme certains. Enfin, je me comprends. Bon, bref, allez. On arrête de dire des conneries parce que sinon, tout le monde va se barrer et ils verront pas la fin de la vidéo. Alors, donc voilà. El Travaillos. El Travaillos. Donc, c'est doux comme la peau d'un chanoine. Irlandais, c'est propre, ça me plaît, voilà, donc le petit tas qui va bien, on va ranger celui-là, donc il y en a 82, je sais pas ce que je vais foutre de ce tas de bois, mais enfin bon, on devrait bien arriver à y trouver une place, et bon, on se retrouve après, si vous avez encore le moral, avec ma bonne tête de Playmobil, pour les statistiques, c'est-à-dire le temps de travail et la quantité de poussière générée. Parce que ça a fait pas mal de poussière, vous allez le voir après. Vous allez voir, on va vider l'aspirateur. Et j'en suis à mon troisième bac de poussière. On est sur un sac qui fait 110 litres à peu près, donc on est sur 120-130 litres de poussière de bois. Donc j'ai mis ça de côté pour vous montrer la quantité que ça pouvait générer de poussière. Ce qui est assez phénoménal.
Et autre chose également, par rapport à ma ponceuse à bande, on a entre la bande et la plaque d'aluminium ici, vous avez une bande de liège et une bande de graphite. Donc qui sert à ne pas user la partie métallique. Cette bande-là qui est amovible en fait, hein, qui peut bouger, qui est vissée sur le devant là, en fait elle sert simplement à, comme une plaquette de frein en fait, hein, qui sert à ne pas user la partie métallique de la ponceuse. Et c'est du consommable, hein, ça se change une fois que c'est usé. Pour vous donner un ordre d'idée de l'usure d'une bande de graphite, donc après ponçage de mes 86 chevrons, je crois, je ne sais plus exactement, voilà à peu près l'état de la bande de graphite, donc est foutue. Le patin en liège, bon, il est pas, il pourra encore être utilisé, je ne l'ai pas jeté, hein, je vais quand même le garder, sachant qu'une bande de graphite neuve est dans cet état-là au début, quoi. Voilà, avant, après. Donc c'est pareil pour ce qui est du temps de travail sur les chevrons, uniquement les chevrons, donc 82, 86 chevrons, je ne sais plus. On est grosso merdo sur 80 heures de travail, dont à peu près une cinquantaine d'heures de ponçage effectif, donc d'utilisation de cette ponceuse à bande. Et j'aurais pu faire au rabot, j'ai testé, mais c'est pas concluant, on enlève trop de matière, et moi le but c'était vraiment de garder l'épaisseur maximum du chevron. Pour pas affaiblir, ça sert à rien d'acheter des chevrons de 7 cm d'épaisseur pour en enlever 2 cm. À un moment donné, voilà, le bois coûte assez cher, donc le ponçage, ça m'a pris du temps, mais à contrario, j'ai gardé un maximum d'épaisseur de chevrons. La vidéo aurait dû s'arrêter là, sauf qu'en fait, entre-temps, j'ai réussi à avoir un partenariat avec Peugeot Outillage, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo de présentation. Et donc ils m'ont envoyé cette brosse. Et en fait, grâce à cette brosse, j'ai réussi à faire donc sur les poutres qui sont finies là-bas. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo. La finition brossée. Donc pour sortir de cette finition poncée, j'allais dire un petit peu trop conforme au standard habituel. Et bien en fait, en utilisant cette brosse laiton, vous allez voir, on arrive à avoir une finition. Comment je pourrais dire au-delà de brosser, en fait, on a une espèce de patiné. Ça vieillit légèrement le bois, mais sans exagérer, puisqu'on reste quand même sur du bois neuf. Et franchement, je kiffe cette finition. Donc, du coup, j'ai décidé de reprendre tous les chevrons que j'ai finis au grain 150 à la ponceuse. Et ben, je vais tout reprendre. Je vais tout repasser un petit coup à la brosse au même, pour donner la même finition que j'ai donnée à mes poutres. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je spoil un petit peu la prochaine où je vous parlerai de cette brosse un petit peu plus en détail. Je pense qu'on voit la différence à la caméra. C'est relativement flagrant. Donc la finition poncée ici qui est toute lisse, j'allais dire presque sans charme en fait, hein. Et là, on a cette finition brossée qui nous élimine les veines tendres du bois, qui va les creuser légèrement et donner cet aspect un petit peu plus rustique, un petit peu plus satiné au bois. Voilà. Et en plus, ça élimine les petites traces de disques à poncer, d'abrasif. Donc franchement, voilà, je regrette vraiment pas de tout reprendre parce que ça va me donner du travail, mais la finition n'en sera que plus belle. Bon, ben on termine là-dessus. Moi, je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été jusqu'au bout, parce que les vidéos sont de plus en plus longues, mais bon, j'essaie d'être complet à chaque fois sur les sujets. Donc, merci pour tout, toujours votre soutien qui nous fait toujours énormément plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!